Mais la réalité, elle est ainsi, hein, quelque part, on a dû s'il vous plaît, merci, le silence, merci. Voilà, ton... Oh, quel... Bien, comme ça. Ah, c'est toi. On t'a repéré. On t'a repéré. Sous ton chapeau chinois, là. C'est bien ça? Bon, ça laisse présager la nature du char de samedi prochain. Samedi prochain, il faudra mettre 3 heures de plus. Bon, très bien, on prend note. Mais c'est vrai que samedi prochain, il va falloir mettre les bouchées doubles, parce qu'il va falloir rattraper le temps festival que vous n'avez pas eu le droit aujourd'hui. Et je vois votre frustration à tous, là. D'ailleurs, vous savez, j'ai mesuré la frustration ce matin, quand j'ai eu l'appel d'André Pierre qui me dit « il faut que je te voie ». Voilà, c'était pas mon signe, ça. « Il faut que je te voie ». Il avait les données météo, il dit « il faut qu'on prenne une décision ». On y va ou on n'y va pas. On a analysé les données météo, on a regardé de près. Moi, comme je leur ai dit, je respecte ce que vous voulez faire. Maintenant, il est évident que les données météo n'étaient pas très favorables. Puis, on ne voudrait surtout pas un peu frigorifier mesdemoiselles. Parce que sur un char, c'est bien, nous, on est à côté, on est bien habillés, bien au sec, tandis qu'elle, c'est pas toujours évident. Puis avec une ombrelle, ça ne suffit pas toujours. Donc, on a voulu surtout être... faire attention à ce que, justement, ça se passe bien. Ça se passe bien pour toutes les personnes qui étaient sur les chars. Ça se passe bien pour vous, pour vos chars, parce que, j'ai dit, quelle désolation de se voir pris dans une tempête. On ne savait pas très bien comment allait évoluer cette météo aujourd'hui. Donc se retrouver dans des circonstances où, justement, vos chars risquaient d'être abîmés et autres, ça gâche. D'autant plus que, je dirais, au point de vue présence du public... On sait bien que la pluie en effraie plus d'un. Pas vous, pas moi, mais on n'est pas comme les autres, nous. On est des vrais festivaliers, donc on est bien au carnaval contre vent et marée. Mais voilà. Donc, mais par contre, ce sera que partie remise, ça, j'en suis sûr. Même si aujourd'hui, c'est vrai que la frustration est sur tous les visages. Bon, vous êtes quand même habillés, vous êtes quand même en tenue. Et ça, c'est déjà un bon signe qui dit qu'aujourd'hui, c'est jour de carnaval. Et le jour de carnaval, ça se respecte et on le fait véritablement jusqu'au bout. Bon, voilà. Donc, rendez-vous samedi prochain avec véritablement un double engouement, une volonté d'être... Alors moi, je suis très impatient d'ailleurs de voir les chars parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici et là des représentants des différents chars, qu'ils soient de Campagnac, de Gourel et de Saint-Jean, notamment. Je ne parle pas celui des carnavaliers, parce que celui des carnavaliers, je l'ai trouvé magnifique. Mais alors, tous ceux qui m'ont dit, mais il est peut-être bien, mais les nôtres, ils sont tellement le meilleur. Par contre, tout le monde m'a dit qu'il avait son meilleur char. Donc, je crois que samedi, ça va être dur. Ça va être dur de faire le choix, véritablement, entre le gagnant, parce que ça risque d'être de très haut vol. En tout cas, on l'attend avec impatience. Donc, voilà, rendez-vous est pris, et je pense que la population, la réponse, elle sera là, et ce sera... La meilleure des réponses, je dirais, à cette frustration d'aujourd'hui, c'est de faire une double fête samedi prochain, et vous y mettrez tous les ingrédients, j'en doute pas une seconde. En tout cas, j'en profite également, bien entendu, au-delà de ce côté festif, pour remercier tout un chacun, toutes, tous, que vous soyez justement des confectionneurs de chars, je le dis comme ça, ou alors quasiment, ou alors des animateurs autour de ce char, ces animations sont importantes. Mais bien entendu également à tout le groupe des carnavaliers qui, comme d'habitude, travaille depuis des semaines, des mois sur ce jour, sur ce projet, sur cette animation, et qui effectivement, je dirais, passent leur temps sans compter pour que tout se passe bien. Voilà, l'aléa, le problème, c'est aujourd'hui, c'est comme ça, on fait avec. Donc, félicitations à vous, et je dirais... Moi, personnellement, en tant que représentant de la municipalité, qu'est-ce que j'ai à faire? Pas énormément de choses, j'ai à faciliter les choses, c'est tout. Être le facilitateur, sans vous, ça ne passerait rien, bien sûr, hein, c'est pas nous qui allons organiser ce genre de choses. D'ailleurs, peu de choses, hein, il faut de la bonne volonté, il faut des volontaires, souvent des bénévoles, pour qu'il se passe des choses. Les animations dans une ville, dans une commune, quelle qu'elle soit, ça se fait suivant la bonne volonté des structures, des associations. Et c'est pour ça que je tiens à saluer véritablement aujourd'hui ces associations, quelles qu'elles soient, parce que quel que soit leur engagement, parce que quelque part, elles contribuent véritablement à la vie d'une cité, à la vie d'une commune,
Et justement, la vie d'une cité, la vie d'une commune, c'est se retrouver comme on est aujourd'hui, cette fin d'après-midi, nombreux, pour partager le pot de l'amitié et en se disant, finalement, on a quand même passé une bonne journée ensemble, même si elle n'était pas celle qu'on attendait, mais on fera certainement mieux dans une semaine. En tout cas, félicitations à tous et puis on vous attend samedi. On va faire le premier tour de l'élection du meilleur groupe et du meilleur char est annulé pour cause de mauvais temps. Il vous reste donc une chance. Il y aura un deuxième tour et là, tout se jouera samedi prochain. Donc, alors, effectivement, comme tu l'as dit, Patrick, on voit qu'ils sont déjà motivés, hein, à fond. Voilà. Donc, je suppose que ça va être festif. Et oui, il va falloir se rattraper. Donc, je compte sur vous. Bon, je vous connais un peu. J'ai pas d'inquiétude. Hein. Aucune. Donc, samedi, juste... bon, je mettrai pas un cierge non plus, parce qu'à chaque fois qu'on met un cierge à Pleurmel pour qu'il pleuve pas, il pleut. Alors, bon. Je sais pas ce qui se passe, là. Il y a quelque chose qui va pas. C'est la ligne directe, sans doute, qui remonte pas là-haut. Donc, alors, plus sérieusement, toutes mes félicitations. Parce que c'est vrai que, bon, je crois que tout le monde a été un peu déçu. Quand j'ai vu ça, j'étais, moi, à Saint-Péreux ce matin, et donc je me dis, tiens, ça y est, ça commence vers 11h, là, ça y est, ça commence à se dégager. Je me dis, on va croiser les doigts, on va peut-être y arriver. Et puis, ben, vous avez regardé la météo bien marine qui disait que de toute façon, avec Marine, il pleut tout le temps, donc c'est pas compliqué. Mais on me dit qu'avec Hollande, c'était pareil. Donc voilà, non, ce qu'on espère, c'est qu'évidemment votre travail puisse être mis en valeur samedi prochain, de façon à ce que nous ayons une belle fête et qu'on puisse admirer vos chars en situation avec vous derrière, puisque vous avez prévu chorégraphie, etc. Donc on compte sur vous et on espère qu'on aura un beau temps. Voilà, merci beaucoup d'être là. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, monsieur le député, mesdames, messieurs les présidents des différents... Après des semaines printanières, a mis particulièrement à rude épreuve les nerfs de toutes les personnes mêlées à l'organisation du carnaval. Malheureusement, aujourd'hui, le sort s'est acharné une fois de plus sur le carnaval. Nous devons malgré tout ne pas baisser les bras et nous préparer avec détermination pour samedi prochain. Nous avons donc dû préparer un programme musical et quelques centaines de personnes sont venues apporter leur soutien. Je voudrais aujourd'hui et une fois encore vous remercier pour votre dévouement, vous redire que c'est grâce à votre motivation que se poursuit la tradition de la mi-carême d'hier et du carnaval d'aujourd'hui. En effet, depuis 91 ans, au printemps et pendant quelques heures, nos milliers de spectateurs que nous attendons dont samedi, oublient leurs préoccupations, leurs soucis quotidiens, ceci grâce à vous qui savez faire la fête. Ceci mérite des applaudissements. Aujourd'hui en particulier, la contrainte que cela impose dans tous les domaines, vie professionnelle, vie privée, les soirées passées en réunion, le travail du samedi et j'en passe. Mais également les présidents confrontés aux responsabilités de plus en plus contraignantes. Les assurances, les démarches administratives, interdiction de ceci, de cela. Si pour les élus, le glaive est au-dessus de leur tête, les présidents d'associations se retrouvent aujourd'hui dans la même situation. Nous avons les mêmes craintes. Mais une chose est sûre, être bénévole lorsqu'on a foi en ce que l'on fait, c'est vraiment super. Et c'est à vous tous que s'adresse ce message. Surtout après une journée comme celle d'aujourd'hui, où prendre une décision comme celle que nous avons prise n'est pas une chose facile. Merci à Saint-Jean de Villenard, Gourel, Campaignac, aux carnavaliers, aux jeunes en particulier, qui nous l'espérons, prendront le relais afin de pouvoir en 2025 fêter le centenaire de ce carnaval. Vos productions à tous, on le sait, est à la hauteur de ce grand rendez-vous. Il ne faut pas que je dise de bêtises parce que j'avais prévu autre chose. Donc vos productions à tous, on le sait, est à la hauteur de ce grand rendez-vous.
Et le jury, samedi prochain, aura bien du mal une fois de plus pour vous dépasser. Je voudrais également m'associer aux remerciements qu'André Pierre vient de prononcer. Le travail que vous avez fourni aussi bien Saint-Jean, Bourrel et Campignac, afin de réaliser des chars, tous plus beaux les uns que les autres, car nous avons pu déjà les découvrir dans vos ateliers. Le jury aura une nouvelle fois beaucoup de mal à vous départager samedi prochain. Merci à vous toutes et tous du comité des carnavaliers. Vous vous donnez à fond pour que vive le carnaval. André Pierre a félicité les jeunes, alors moi je félicite les moins jeunes. Ils se reconnaîtront.